ce soir à la grande première des Clashs avec François Bédard. Encore, ça va bien encore? Merci Isabelle, encore, ça encore. Va très bien. Hey, c'est spécial ce soir quand même. As-tu vu tous les gens qui assistent? Je pense que c'est un produit qui est extraordinaire. C'est extrêmement concret. On est ici sur le site du complexe Hôtel Casino Charlevoix. Oui. Il y a vraiment beaucoup de magie qui se passe en ce moment. On oui, est très excités. Oui, parce qu'on sort quand même du fermant Manoir Richelieu. Oui. Déjà là, c'est un exploit d'être invité. On a suivi les conférences de presse. Et comment tu te sens en ce moment? Très fébrile, très heureux, mais à ce moment-ci, ce qui est vraiment magique, oui. c'est que le spectacle maintenant appartient aux citoyens de la région. Ah, c'est... On a eu une aventure qui est vraiment extraordinaire, mais maintenant, le show leur appartient. Donc, oui. très heureux d'y contribuer. Oui. Hier, on a eu une générale publique oui. avec tous les employés et les amis. Ça a tellement bien été. Oui. Là, aujourd'hui, on continue, mais c'est un début parce qu'on est ici du 10 août jusqu'au 2 octobre dans le cadre des Féeries de Charlevoix, dans lesquelles il y a aussi un thème de fête foraine. Oui. Éclat et l'offre de spectacle cirque, donc une expérience cabaret cirque inspirée des souvenirs de Charlevoix. Alors, ce soir, évidemment, ce que j'ai entendu dire des employés du Fairmont ce matin, que c'était, ça va être un futur grand succès, mais... En assistant au spectacle, je vais vous donner ma critique demain matin. Évidemment, merci pour l'invitation. Merci, Isabelle. Ce soir, évidemment, il y a beaucoup de personnes quand même du gratin culturel et politique. Ça aussi, ça doit être quand même... Oui, ça fait partie du protocole d'une première. Okay. Donc, on reçoit des gens. Ouais. Et ultimement, c'est une démarche qui est aussi très citoyenne. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, bonne première. Merci beaucoup, Isabelle. À bientôt. Merci.